J'arrête mes conneries, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Et on se retrouve dans l'épisode 6 du 100 Baby Challenge. Eh bien bonjour. Comme vous pouvez le constater, voilà, on s'occupe des enfants, hein. Il n'y a rien de spécial. Hein. Voilà, les enfants viennent de se réveiller, viennent de manger, il est un peu 2h du matin. Pourquoi sont-ils debout à cette heure-ci? Je ne sais pas. Par contre, ils vont avoir besoin d'aller sur le pot, ça c'est sûr. Alors Angelo a fini de manger en premier, on va juste croiser les doigts pour qu'ils n'aient pas le temps de faire dans leur couche. Ne fais pas dans ta couche s'il te plaît, Angela, sois un petit peu patiente. Je ne veux pas qu'elle fasse dans sa couche s'il te plaît, Angela. Ne fais pas... Non, non, elle l'a fait. Non, elle s'est proutée dessus. Voilà, elle s'est proutée dessus. Bon, tant pis, hein, c'est fait. Hein. Comment on fait pour la compétence de réflexion? La réflexion, c'est... Bah, les cubes. Mais on peut pas les cubes. Fait qu'elle est à niveau 2. Permet au papa de piquer moins de crise et d'être plus autonome et réduire les provocations et satisfaire les besoins. La compétence de réflexion s'améliore en étant curieux ou en jouant avec des cartes de support visuel, des cubes de construction ou la tablette. Bah, pour la réflexion, je sais pas. Ça, c'est quoi? C'est la réflexion, regardez. Non, ça, c'est l'imagination. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça veut dire qu'il a bien fait pipi caca. Et ça, c'est parfait. Peut-être qu'à un moment donné, ils pourront faire ça tout seuls. Et toi, va jouer un concerto. Va t'entraîner. Et là, on va voir au niveau de ces objets. Voilà, ici, reproduction. Voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Une petite grenouille. Alors, on va essayer d'apprendre. Tranquillou. Ah, j'ai oublié de remettre le petit logo. Hid line effects off. Donc ça, c'est le logo... Non, on. Que j'enlève à chaque fois pour faire le machinima. Donc, n'inquiétez pas. C'est pas vraiment un code de triche, c'est juste pour ne pas voir le logo pour le petit machinima dès début d'épisode. Mur de notification plat. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon chacha? Tu râles? Si il est pas content? Si il est pas content, mon chacha. Oh non, il va sauter sur la table, ça va être le bordel, excusez-moi déjà d'avance. En plus, elle est toute mignonne, regardez. Oh. On dirait une petite star. On dirait une petite star avec ses lunettes. Je sais pas ce que vous en pensez. On dirait tellement une star. Bonjour. C'est une star de cinéma. Bonjour. Par contre, attendez. Beau gosse. Beau gosse en vue, David. Bonjour. Bonjour. Attendez, il faut que j'aille me présenter quand même. Hein. Et en plus, elle a besoin d'enlacer quelqu'un, c'est parfait. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je vois que vous passez par là, vous avez l'air perdu. Vous avez besoin d'un petit coup de main. Quoi? Je lui fais une bonjour amicale et c'est déjà des moins. Ah oh bah merci. Voilà, il y a le petit chat qui s'installe là sur moi. En mode, personne ne me voit. Il y a une amitié. Bon, on va commencer par essayer de lier une amitié. Hein, ce serait peut-être pas mal. J'ai envie de te dire, il a pas l'air d'être comme... Enfin, pas... non. Qu'est-ce qu'elle fait des bêtises? Oh là là, elle fait des bêtises. Ah, il est en train de cramer, c'est un vampire! Mais pourquoi tu sors dehors si t'es un vampire, t'es en train de cramer? Il va cramer devant moi, ça continue! Raconter une blague sur les vampires, c'est un vampire, on va voir comment il va réagir. Il le prend plutôt bien. On va peut-être le laisser partir parce que j'ai peur qu'il meure vraiment. Ouais, on va le laisser partir. Ouais, il est très mal à l'aise, c'est normal, il est en train de cramer. On va essayer de lui demander d'aller se coucher. Et quant à eux, ils sont plutôt bien. Ils ont besoin de réflexion. Alors pour la réflexion, peut-être s'ils parlent ensemble. Je vais vraiment y aller, tu m'étonnes. Il est en train de cramer devant moi. Mais c'est pas bien grave.
Oh, ils sont mignons. Faut peut-être que je leur apprenne à parler. Parler. Ah, ils peuvent commencer à parler, attendez. Parler de sa couleur préférée, de son héros, parler de princesse. Et ça augmente quoi, ça? De la communication, ça augmente. Oh, ils sont trop choux! Ils sont trop choux! Ils sont trop choux! Oh là là! Bon. Qu'est-ce que c'est jouer? Ils peuvent jouer dans le placard? Sérieusement? Bah, j'ai envie de tester. Et toi, tu peux rentrer aussi. Tu peux rentrer. Et tu vas jouer à la poupée. On va voir comment il joue avec le placard. Ah, d'accord. Je pensais qu'il allait peut-être rentrer dedans. Mais il n'est pas rentré dedans. Est-ce qu'il va la rejoindre? Regardez. Au lieu de regarder, va la rejoindre. Voilà, comme ça, vous jouez ensemble. Elle, on va la réveiller, on va... Alors, qui a envie d'aller sur le pot? Parce que là, faut vraiment que je pense à les mettre... Angela, d'accord. Faut vraiment que je leur apprenne à aller sur le pot. Avant qu'ils se fassent dessus. Et j'ai l'impression que quand ça descend en dessous de la moitié de la barre de la vessie, ça commence à être compliqué. Et du coup, le prochain, ce sera toi, Angelo. Hein, the next sur la liste. Pour apprendre à aller sur le pot. Ce serait bien qu'à un moment donné, je crois que c'est au niveau 2, ils peuvent aller sur le pot tout seul. Bah niveau 2. Est-ce que maintenant ils peuvent... Attends, je vais tester, voir. Ouais, maintenant ils pourront aller sur le pot. Ça c'est cool. Elle est fatiguée. Allez, go dormir. Go à la sieste. Ah, c'est super. Ils ont appris à aller sur le pot. C'est super, j'adore. Non! Pourquoi tu l'as pas mis sur le pot? Mince. Est-ce qu'il peut aller tout seul dessus? Ça se fait, il pouvait même aller tout seul dessus, ouais. Oh, et mince. Il peut prendre des restes tout seul? Genre, je suis même pas obligée, en fait, de sortir l'assiette, quoi. Il va vraiment prendre les restes tout seul? Ah non, il va demander. Il va demander à la maman. Hop, ça. Hop. Non, je l'ai posé où? Bon, je crois que j'ai posé l'assiette quelque part, je ne sais où, hein, c'est pas bien grave. On va peut-être réveiller la petite aussi, puisqu'elle va commencer à avoir faim, ouais. Pour prendre une petite portion, tant qu'à faire. Ah, s'entraîner, pianoter, trouver l'inspiration. On va jouer à un concerto, tiens. Ouais, petit concerto des familles, hein, qui casse les oreilles un petit peu, mais c'est pas bien grave. Voilà. On est content. On est content. Allez, go dormir. Et elle aussi, après, ça va être go dodo. Ils sont tous les deux fatigués. Et je pense qu'après, ce que j'essaierai de faire, c'est genre... C'est genre peut-être leur apprendre à parler, ce genre de choses. Ah, elle est partie dormir inspirée, ça c'est bien. Elle va faire de jolis rêves. Je me demande s'ils font des beaux rêves. D'ailleurs, j'ai jamais fait attention à qu'est-ce qu'ils pensaient pendant qu'ils dorment. D'accord, elle pense à une main. Parle à ma main, en fait. C'est 15 ailes, parle à ma main. C'est bon, j'en ai marre de jouer, change de famille. Hein. Super fête. Mais je suis désolée, c'est fini les boîtes de nuit. Je suis maman maintenant. C'est fini ça. C'est fini. On va la réveiller. Bah tiens, vous allez aller sur le pot. Allez sur le pot. Et toi aussi, allez sur le pot. Non, pas aide sur le pot.
Tu sais aller sur le pot tout seul. Pourquoi elle est tendue? Ah, parce qu'elle est en mal d'amour, oui. Elle a pas vu son Brent. Ça va peut-être bien d'inviter le vampire. On va peut-être l'inviter. Il est où? David? Ah, il est là. Je l'ai pas reconnu. Ah, il va arriver en plus. On invite un vampire à la maison, on est comme ça, nous. Bonjour. Tu vas pas l'inviter... Tu vas pas l'inviter en sous-vêtements? Habille-toi. Tenue, changer de tenue. Tenue, voilà, pour changer une tenue habillée, mais une tenue quand même, parce que bon, tu l'invites quand même. Bon, j'ai envie de te dire, lui, il est venu quand même habillé en mode sportif, hein. Un petit peu de papote. Envoyer un SMS de bonheur. Bah écoute, vas-y, hein, c'est tendu. Là, c'est quoi? Planifier un rencard? Non. Non, où tu vas? Où tu vas, toi? Je sens la bêtise. Oui, je sentais. J'aime pourquoi à chaque fois ils sortent dehors. Bon, c'est bien mieux qu'ils fassent ça dehors qu'à l'intérieur, mais quand même, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Là, c'est bon. Je peux toujours pas faire ça. Les formes, je peux toujours pas. Niveau 2 de la compétence réflexion. Bah, écoute, va empiler. C'est déjà mieux que de faire des bêtises, hein. Qu'est-ce qu'elle a envie? Enlacer quelqu'un. Je sais pas s'il serait d'accord, mais... Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente de l'enlacer? On peut pas encore l'enlacer. On peut pas encore l'enlacer. Dans Amical, on peut pas l'enlacer? Ah, enlacer, on va tenter. On va tenter. C'est bon, ça a marché. Acheter un théâtre à marionnettes. Non, pas pour le moment. On n'a pas de chaîne Ifi. Attendez, qu'est-ce qu'elle a envie? Raconter une blague. Bah, là, il n'y a pas de problème. On peut raconter une blague. Drôle. Raconter une histoire drôle. Non, c'est une blague. Raconter une blague sur les extraterrestres. Regardez la télévision communautaire. Donc là, regardez. La chaîne communautaire, normalement, c'est là. Non, je n'ai toujours pas de chaîne Ifi. Ça n'a pas changé, ça. Il faudra vraiment que j'achète une chaîne Ifi parce qu'elle a souvent envie d'utiliser la chaîne Ifi. Appeler quelqu'un au téléphone. Il est un peu 1h du matin, encore une fois, hein. Rencontrer une nouvelle personne. Monsieur, bonjour. En plus, ce sera peut-être un futur papa, donc tant qu'à faire, présentation amicale. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Ça a l'air d'aller, pourtant. Triste, pourquoi? On a marre des cubes. Ouais, tiens, parlez ensemble. Voilà, comme ça, ce sera plus en manque d'intention. Je vais y arriver. Planifier un rencard, non. Pas de téléphone à cette heure-ci, hein. Faire un sketch, non. Lier une amitié, ben, avec David, ce serait sympa, lier une amitié, non. Mettre un déjeuner dans un sac en papier, non. Peut-être, non, toujours pas. Se refaire une beauté devant le miroir. Éventuellement, ça, on peut le garder. Oula, c'est crado chez toi. Se refaire une beauté. Ok, rentre à la maison, en plus t'as faim. Et ça, hop, on va nettoyer et manger. Et voilà, dis donc. Voilà. Ils ont toujours les mêmes sujets de conversation. Les héros, les couleurs et les princesses. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'à cet âge-là, ils communiquent autant, déjà. Alors la fille est en train quand même de nettoyer des cacas de bambins. Habillée comme ça. Et de toute façon, là, elle va prendre des restes. Mais on en est où? On en est où? Là, il en reste 5. Là, il en reste 1. Bah écoutez, on va sortir celui-ci. Ça, toi, tu vas prendre... Ouais, il va le prendre, c'est ça. Prendre une portion, voilà. Et on sort ça aussi, comme ça, elle aussi, hein. Elle va manger.
chaussette, elle pue de la chaussette ensuite, hein, faudra lui faire prendre un bain aussi. Ça, on peut ranger. Je suis en train de parler en même temps. Alors, je ne sais toujours pas comment faire pour l'aptitude. Parce qu'il y a une aptitude, la réflexion, j'arrive pas. Alors, peut-être que si j'aide avec elle à enseigner les cubes. Apprendre à construire. Voilà, enseigner les formes. En fait, il faut que ce soit elle qui les aide, quoi. Non, 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 non. Oh, elle l'a nettoyé. C'est pas possible, ça. Faut pas nettoyer. Alors, bah déjà, ce serait pas mal de penser à reproduire les grenouilles. Ensuite, ah, on va lui faire prendre un bain avant d'aller l'envoyer se coucher, donner un bain de mousse à Angela. Quant à toi, bah, va dormir. Faut fatiguer. Ça, on jette. On est quand même bien organisé, hein, franchement. Comparé aux jumeaux qu'on a eu avec Barbie, là, ça va beaucoup mieux, je trouve. Hein. On s'en sort mieux. Hein. Évidemment, cette fille a besoin de ses enfants de manière plus efficace. Et inciter ses enfants à faire certaines actions. D'accord. Ok, lui, il est parti dormir. Et elle, du coup, elle va aussi partir. Mais avant, ce serait bien. Elle va juste aller sur le pot avant d'aller dormir. C'est parfait. Quant à toi, tu vas, bah, écoute, peut-être faire un petit tour du quartier. Aller chercher les petits cailloux comme d'habitude. Pour gagner de l'argent. L'argent, c'est vachement utile. Je vais te dire, l'argent, c'est utile. Bah oui, bah forcément. Hein. À qui ce serait pas utile, l'argent? Je pense que c'est utile à tout le monde. Mais bon, on reste quand même relativement proche de la maison. Je pense pas qu'on va s'amuser à aller plus loin que ça. On va juste faire le tour à côté. Hein. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas, les enfants? Non, vous allez pas faire des bêtises, quand même. Go dormir. Voilà, et après, quand t'as fini, tu vas dormir. A trop peur? Bah écoute, va te demander une histoire. Voilà, ça tu arriveras à mieux t'endormir. Petite histoire. Voilà, nickel. J'ai plus besoin de leur apprendre à aller sur le pot et ça c'est vachement cool, je suis super contente. Quant à toi, tu vas du coup bah, faire un concerto, écoute. Hein. Tu vas jouer un concerto. Voilà. Viens nous casser les oreilles. Bon, c'est pas marrant. En attendant, ici, ça, on vend. On se fait un petit peu de l'argent. Je vais reproduire les grenouilles. Là, on va extraire fossile, extraire fossile. Ça, on vend 75 centimes, c'est parfait. Ça, on vend. C'est pas grand-chose, mais c'est quand même de l'argent. Voilà, et ça, hop. Je sais pas si c'est un raccourci pour vendre les trucs au lieu de les faire glisser, je sais pas. Peut-être sur le bouton supprimer, faudrait que je teste. Ce serait peut-être plus rapide. Et après, lire une histoire en main pour l'endormir. Voilà, viens. Viens, je vais t'endormir aussi. Tu vas faire un bon dodo. Au lieu de jouer un concerto, on va le mettre s'entraîner. Et ensuite, aussi, elle a besoin de dormir, hein, mine de rien. Mais bon, elle va bientôt passer niveau 7. Après, il faut le 8, le 9. J'espère bien qu'on va y arriver. Un de ces 4 à arriver au niveau 9. Hein, puisque pour commencer à gagner de l'argent, ce serait pas mal. Surtout qu'en plus, quand ils vont passer enfant, il va falloir refaire encore ben, la pièce. Je pense qu'on va quand même garder la pièce telle qu'elle. On va juste déplacer. Enfin, telle qu'elle, non, parce qu'on va déplacer les objets. Mais il va falloir agrandir un petit peu. Faire, je sais pas, peut-être une seconde pièce. Genre une pièce chambre d'enfant, une pièce chambre de bambin.
pour la suite, parce que là ça ne sert à rien de revendre les objets de la chambre d'enfant puisqu'on va refaire par la suite des bambins, forcément, des bébés, des bambins. C'est la suite logique. Allez, va dormir. Puisque ça devient un petit peu compliqué toute cette histoire là. Alors qui passe à l'âge adulte, comme ça on pourra les dégager. Hein. Même si franchement je me suis attachée à Angela, Angelo. Hein. Je m'y suis attachée quand même, hein. Faut dire ce qui est. Voilà, ça reste mes petits, mes premiers bébés quoi, du 100 baby challenge. Je suis désolée, c'est fini, boîte de nuit pour moi, je te l'ai déjà dit. Arrête de marceler, Brant, s'il te plaît. Alors, on va utiliser, on va demander de faire à manger, servir le dîner. Petite salade du jardin pour changer. Chose d'un peu plus simple que d'habitude. Pendant ce temps-là, on va savoir quoi. Ouvrir, il reste combien? Il en reste 4. Bah écoutez, on va les réveiller pour qu'ils aillent manger. Parce qu'ils ont vraiment très faim. Voilà, petite salade du jardin au moins, ça c'est fait. Et ça, on met là. Ça, on met là. Tout le monde mange, tout le monde y est content. Quand vous aurez fini de manger, bah, je suis désolée, mais là, Angelo, donnez un bain de mousse à Angelo. Ah, ça je peux pas, je suis allée un petit peu trop vite, un petit peu plus vite que la lumière. Et toi, bah, va jouer à la poupée, tiens, voilà. On va leur enseigner les formes après. On va leur enseigner les formes. Hop ici, enseigner les formes à bah du coup Angelo, hein, puisqu'on est avec lui tant qu'à faire. On va lui enseigner comme ça, après il pourra tout seul s'enseigner les formes. Ce sera plus simple. Oh la douche elle est dégueulasse. Oh non, un vampire. Non désolé, c'est fermé, il n'y a personne. Il y a de la lumière par la fenêtre mais il n'y a personne. Passe un petit peu de temps ensemble. Quant à Angela, niveau 2 de la compétence réflexion. Ok. Vas-y, va t'entraîner maintenant. Et lui maintenant, voilà, il peut. Il est marqué quoi? Aide pour la tour, non? Pas besoin. Elle prend les formes tout seul maintenant. C'est bien. En train de parler en même temps. Non, 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 pas de bêtises, s'il te plaît, pas de bêtises. Bas sur le pot. Pas de bêtises, s'il vous plaît. Voilà, c'est parfait. Je vais peut-être acheter une tablette pour les enfants. C'est vrai qu'une tablette, je crois que c'est dans les Miss Influz. Ça vaut hein, quand même un certain prix. Ah, elle va monter. Yes. Quelque chose de romantique, préparer des pancakes. Est-ce qu'on peut les préparer là? Vous savez, des pancakes, ouais. Donc, quand elle aura faim, on ira lui demander de préparer des pancakes. Ça changera aussi, les enfants de manger toujours la même chose. Parler de camion, parler d'art, il y a des nouvelles choses. Parler d'art. En tout cas, les bambins sont plutôt bien. Je pense qu'on s'en occupe plutôt pas mal. On s'en occupe plutôt pas mal, j'ai l'impression. Je suis plutôt contente. Dire n'importe quoi, lol. Dire n'importe quoi, c'est marrant. Arrêtez là pour le let's play. J'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager le let's play s'il vous plaît. La chaîne en général, hein, tant qu'à faire. Hein. Et moi sur ce, je vous laisse comme d'habitude. Les prochains épisodes, c'est tous les mercredis et vendredis à 17h30. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.